السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه وعافيه. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم وانتم في احسن حال. الو لا ثوازيام لوسون ان شاء الله بور لا ريفيزيون، نبداوها كيف ما تعودنا بدعاء المراجعه. بسم الله، اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله. alors كيف ما لاحظتوا اليوم غادي نهضروا على لي كومبليمون دو فان. d'accord؟ donc ce sont des mots qui complètent le vin. à partir de leur nom, ils complètent le vin. d'accord؟ ça veut dire quoi؟ ça veut dire que le vin a besoin de ces compléments. on n'aura pas une phrase qui est correcte, une phrase qui a un sens et la macanouche a les compléments du vin. d'accord؟ bien sûr, ce sont des verbes qui ont besoin d'un complément. alors, je vais vous donner, regardez ici. donc, il y en a deux. il y a le COD, complément d'objet direct, et le complément d'objet indirect. il y a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. la fille. offre un cadeau à sa mère. alors, la fille offre un cadeau à sa mère, puisque on veut chercher les compléments d'objet, d'accord ? puisque ce sont des compléments du verbe, yani, qu'est-ce que je dois chercher? La dernière fois, je donne à l'adjectif, la leçon dernière, je donne à l'adjectif qualificatif, on a dit qu'on doit chercher le nom, d'accord? c'est le noyau du groupe nominal. Hnaya, puisque on cherche des compléments du verbe, qu'est-ce qu'on doit chercher? est-ce qu'on va chercher le nom? non, on va chercher le verbe. quand je dis le verbe, ça veut dire l'action de la phrase. où est le verbe dans cette phrase? La fille offre un cadeau à sa mère. Offre, c'est le verbe. La fille, c'est le sujet. D'accord? Donc, la fille offre. On va poser la question. Quoi? Bien sûr, on pose la question selon le verbe. La fille offre quoi? Offre. un cadeau. regardez, on a posé la question quoi? on a trouvé un cadeau. quelle est la fonction d'un cadeau? c'est un complément d'objet direct. regardez, est-ce que je peux dire la fille offre et mettre un point ici et effacer tout ça? non, impossible. la phrase n'est pas finie. d'accord? la phrase n'a pas un sens. ça veut dire quoi? ce qu'on vient de dire. le verbe a besoin d'un complément d'objet pour le compléter. d'accord? la fille offre quoi? offre un cadeau. à qui? à qui? à sa mère. c'est un complément d'objet mais qui est indirect. elle est indirecte. regardez, on a posé la question en utilisant une préposition, la préposition à. oui, dans la réponse, on a donné le complément qui commence par la préposition à. donc, le complément d'objet direct n'est pas séparé du nom, ou plutôt du verbe, d'accord? il est juste à côté du verbe. il n'est pas séparé par une préposition. par contre, le complément d'objet indirect est séparé du verbe par quoi? par une préposition. la préposition, c'est la fois même la question qu'on va poser. d'accord? je vais vous donner un autre exemple. d'accord? papa. rejoint
sont amis. Alors, comme on a dit au début, puisque c'est un complément, puisqu'on cherche un complément du verbe, je dois chercher le verbe de la phrase, l'action de la phrase, c'est le verbe rejoindre. Papa, c'est le sujet. Celui qui fait l'action, d'accord? Elle fait, elle fait. Papa rejoint. Est-ce qu'on va poser la question quoi? Non, à partir du verbe. Il y a les questions que je veux poser, c'est à partir du verbe. Had le verbe l'indif la phrase, ou l'indif, il y a une question que je vais poser. Rejoint qui? Rejoint son ami. Son ami, c'est un complément d'objet direct. Alors, la question est posée sans utiliser une préposition. La même chose pour le complément ou pour la réponse, il ne contient pas une préposition. Il est directement à côté du verbe. Il est directement à côté du verbe. Par contre, le complément indirect est séparé du verbe par quoi? Par une préposition. Naya, s'il vous plaît, faites attention là, je peux dire la fille offre à sa mère un cadeau. Mais tu veux lire à sa mère, il est indirect, là, parce qu'il est séparé d'un autre complément. Là, normalement, le complément d'objet second. Voilà qui est la tridatisme. Ou là, complément d'objet indirect ou slime. D'accord? Il est séparé par une préposition du verbe. Mais je veux un complément. Je peux dire, la fille offre à sa mère un cadeau. D'accord? Ou un cadeau, avec un complément d'objet direct. Yani, complément d'objet direct ou la complément d'objet indirect, la question que je vais poser. D'accord? Alors, je vais effacer les exemples pour noter les points essentiels de cette leçon, qui est très simple, qui nécessite seulement un peu d'attention. Alors, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question, bien sûr, à partir du verbe, on pose la question « qui ?» ou « quoi ?» Bien sûr, c'est selon le verbe. Voilà, le verbe est-ce que je parle d'une personne ou je parle d'une chose? La même chose pour les compléments d'objet indirect. C'est à partir du verbe que je vais poser la question à qui? À sa mère. À quoi? Ressemble à quoi? Ressemble à une fille. D'accord? De qui? C'est le stylo. Non. De qui? Avec la préposition de et de quoi? C'est bon? Alors, pour trouver le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect, la première chose à faire, c'est chercher le noyau de la phrase, du groupe verbal, c'est le verbe, d'accord? Parce que ce sont des compléments qui complètent les verbes. Qui, quoi, pour trouver le complément d'objet direct. À qui, à quoi, de quoi, pour trouver le complément d'objet indirect. Alors, je vais vous donner un petit exemple comme exercice pour s'entraîner. Alors, la maman prépare un délicieux dîner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche la première chose, je cherche le verbe, c'est prépare. Qui est-ce qui fait l'action? C'est la maman, c'est le sujet. C'est le groupe, on va dire, nominal, sujet. D'accord? Prépare. Quoi? Prépare.
vicieux dîner. C'est un complément d'objet. Direct ou indirect? On a posé la question quoi? C'est direct. Il n'y a pas une préposition dans la question. C'est un complément d'objet direct. D'accord? Alors, voilà. Si vous avez une question à me poser, n'oubliez pas de me contacter. D'accord? Surtout, il y a des messages. Je vais vous donner un petit peu de des points qui sont essentiels et si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Ou maintenant, je vais vous dire, alors, salam alaikum, on te met à la con, on te met à la con, bye bye.